Ok. Bonjour et bienvenue dans cet épisode 32 de Partoche. Alors aujourd'hui, je m'attaque à ce qui me semble être une des meilleures bandes originales de la décennie, la musique des films How to Train Your Dragon, ou Dragon en français, et ça a été composé par John Powell. Et pour les besoins de l'épisode, d'ailleurs, on l'appellera John John, ne cherchez pas à comprendre. J'ai plusieurs précisions à faire avant de me lancer dans le vif du sujet. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo relève de mon interprétation personnelle, hein. Y a rien d'officiel. Par exemple, les noms donnés aux thèmes musicaux ou leur signification, bah ça vient de moi. Du coup, si vous avez une autre vision des éléments de la musique, n'hésitez vraiment pas à la partager dans les commentaires. Cet épisode sera beaucoup moins technique, parce que les thèmes présentés sont moins propices à l'interprétation en termes de signification des accords, des mélodies, etc. Je dévoile toute l'intrigue des deux films. C'est bien normal, hein, sinon je pourrais pas parler de tous les trucs intéressants dans la musique. L'épisode sera découpé en deux parties et vous êtes en train de regarder la première. Ici, je vais présenter simplement les thèmes musicaux des deux films et vous verrez qu'il y a déjà de quoi faire. Dans la seconde partie, on va voir comment les thèmes sont exploités durant les films et adaptés à chaque situation, etc. Ça va être trop cool. Cette BO, elle hante mes nuits et elle m'accompagne à chaque moment de la journée. Première chose à faire, c'est de présenter les films et les personnages. Normal. L'histoire se déroule à Burk, un village viking constamment attaqué par des dragons qui leur volent du bétail. Hiccup, le fils de Stoic, chef du village, aimerait bien faire comme tous ses compatriotes et combattre les dragons, mais... Ce n'est pas un vrai viking, il est différent. Vu qu'il n'a pas l'étoffe d'un guerrier, il utilise ses talents d'inventeur pour essayer de capturer un dragon, pour pouvoir s'intégrer. Alors ça marche, hein, en tirant son filet un peu au pif, il touche le dragon que personne n'a jamais vu, le Night Fury. Alors Hiccup, il est chaud et il veut aller tuer le dragon pour être reconnu par les siens, mais en fait, il n'arrive pas à achever la pauvre créature. Il le libère et finalement, une relation de confiance puis d'amitié va s'installer entre les deux. Mais il y a aussi le deuxième film. 5 ans plus tard, Hiccup essaye d'explorer le plus loin possible et tombe sur des mecs qui veulent capturer des dragons pour le compte de Drago Bloodvist, un mec qui veut créer une armée de dragons. Durant le film, Hiccup rencontre sa mère qui avait fui il y a très longtemps et qui vit depuis 20 ans dans un nid de dragons dirigé par un alpha bienveillant. Évidemment, ce nid intéresse Drago, donc il attaque. Voilà, vous avez un peu l'idée de base, maintenant on va pouvoir parler de musique. Je suis vraiment excité de faire cet épisode. Quand j'ai vraiment découvert la bande originale, j'ai halluciné de voir à quel point elle était riche. En termes d'écriture, oui, mais aussi dans le nombre de motifs récurrents qu'elle contenait. Petite parenthèse sur un élément central dans la musique, à l'image. Depuis Wagner et ses opéras, l'utilisation de ce qu'on appelle des leitmotifs s'est de plus en plus répandue. Un leitmotif, c'est un élément musical qui accompagne un élément précis de l'histoire qu'on raconte. En général, un leitmotif est associé à un personnage, mais peut aussi être associé à une idée, un sentiment, un lieu, tout ce qu'on veut en fait. Je vous encourage vivement à aller regarder cet épisode spécial de Partoche qui porte sur ce sujet, les variations de ces fameux motifs. Il est complètement en lien avec ce dont on va parler aujourd'hui parce que la musique de How to Train Your Dragon repose énormément sur les leitmotifs. Je vais présenter les motifs récurrents que j'ai relevés dans les films et j'ai essayé de déterminer les éléments qu'ils illustrent. Et croyez-moi, c'était pas toujours facile, hein. On va commencer par ce que j'ai longtemps cru être le thème principal du film. En fait, il s'agit pour moi plutôt du thème lié au personnage principal, Hiccup. C'est le tout premier thème qu'on entend puisque c'est celui qui est joué pendant le logo DreamWorks. On peut le découper en deux segments, les voici. Ça permet au compositeur de pouvoir allonger ou raccourcir son thème selon la scène, en jouant deux fois les deux segments, ou en jouant trois, ou que deux, etc. Ça, eh bien ça vaut pour quasiment tous les autres thèmes. Ce qui frappe dans la première partie, c'est l'harmonie stable. La basse ne change pas de note. Ça donne un thème assez humble, je trouve. Surtout quand il est joué au corps lentement, comme dans l'intro. Et ça, ça représente bien le personnage, humble et fidèle à ses convictions. L'élément musical rattaché au dragon apprivoisé par Hiccup, Toothless, ou Croque-mou en français, mais bon, c'est un peu moche, donc je vais garder Toothless, même si j'ai un accent de merde, et puis en plus, faudrait pas le confondre avec Croque-dur, lui, est un des plus connus de cette BO, parce qu'on l'entend dans la piste Test Drive, et que cette piste a un peu fait le buzz lors de la sortie du film. C'est un peu le Let It Go de Dragon, quoi. Donc là encore, on entend sur les passages centrés sur Toothless. Il s'agit d'une mélodie construite sur un rythme régulier. Il n'y a que des croches et pas de silence.
On observe aussi que cette suite de notes tend à descendre vers le grave, ce qui est peut-être un moyen d'illustrer musicalement la manière dont Toothless fond sur sa cible à toute vitesse. Cette mélodie parcourt presque toutes les notes de la gamme, et donc en jouant avec la gamme elle-même, on va pouvoir modifier hyper facilement les couleurs de stem pour lui donner des significations différentes. Mais je réserve ça pour la partie 2 de l'épisode. D'ailleurs, tout ce que je vais dire d'intéressant sur stem sera en partie 2, parce qu'il prend vraiment de sens que dans ses variations et ses relations avec d'autres thèmes. Du coup, on enchaîne. Ce thème moins souvent entendu est intéressant parce qu'il est difficile de l'associer à un élément précis des films. Je l'ai appelé Vikings, et je suis pas le seul à l'avoir fait, mais en fait ce nom sert juste à rendre ce thème très général, parce que tous les personnages sont des vikings. En fait, cette musique pourrait être placée sur les scènes qui fonctionnent mieux avec cette musique-là plutôt qu'un autre thème. Regardez, on peut l'entendre au début lorsque le contexte narratif est exposé. Mais aussi lorsque Hiccup vole sur le dos de Toothless pour la première fois. L'effet est plus jouissif que si on avait placé ici le thème de Toothless. Il est constitué d'un motif fait de notes rapides. Et il y a grosso modo deux façons de l'entendre, soit jouer avec une harmonie stable, comme ici, soit jouer avec une suite d'accords de fond qui vont rendre l'ensemble plus... j'ai pas d'autre mot qu'épique. En fait, la mélodie a clairement des couleurs de danse irlandaise. Le tempo, il est rapide, les notes sont courtes, la mélodie est dynamique, et on a des petites fioritures qui rappellent les musiques celtiques traditionnelles. En plus, la mélodie est construite sur les notes d'une gamme pentatonique utilisée dans la musique celtique. Avec cette grille d'accords en dessous, qui contient le fameux accord du quatrième degré majorisé, qu'on retrouve souvent pour exprimer l'héroïsme dans la musique de film ou de jeu vidéo, on mélange cet aspect folklorique avec un aspect plus cinématique. Et donc, tout en restant dans la même ambiance celtique, on a quelque chose de plus inspirant, et ça me rappelle qu'il faut que j'inspire aussi un jour, moi. Le combat. Une mélodie très souvent entendue dans les films, très souvent jouée dans un registre grave par des cors et des trombones bien gras. Il fait très martial. Je vous passe un extrait où on peut l'entendre. Rien de plus à dire ici, même s'il est très très présent et il a vraiment son importance, mais on en parlera plus dans la prochaine vidéo. Voici un autre thème très présent dans les films, surtout le premier volet. Il permet de souligner le côté mauvais des dragons qui sont présentés comme les ennemis. Il sera aussi associé à la mort verte, c'est-à-dire le gros chef dragon de la fin. La mélodie est très longue, et c'est assez rare d'avoir un thème de cette forme dans les musiques de films. Bien souvent, on va se contenter d'une petite unité mélodique qu'on pourra répéter ou faire varier pour éviter la lassitude. Pour bien comprendre de quoi je parle, je vais prendre l'exemple de... j'arrête de faire semblant de chercher, John Williams. Les thèmes qu'il compose sont très souvent formés d'une mélodie qui va être découpée en plusieurs parties, qui auront par exemple le même rythme. C'est le cas du thème de Harry Potter. Et je peux aussi citer le thème des derniers Star Trek par Michael Giacchino. Des petites sous-unités qui ont la même allure au niveau de la mélodie et du rythme.
Cette technique, elle permet d'obtenir des mélodies qui se retiennent beaucoup plus facilement. Et c'est vrai que le thème Evil Dragon, il est franchement dur à retenir après un visionnage. Mais au final, on s'en fout, c'est vraiment pas le but recherché. Il permet de créer une ambiance angoissante, et ce but est atteint. Ici, on a beaucoup de notes longues, et la mélodie évolue de plus en plus vers les aigus, illustrant une tension croissante. En plus, on y trouve des notes étrangères à la gamme, notamment ce 4e degré plus haut d'un demi-ton. On sort donc de notre confort d'écoute, et on obtient une musique un petit peu spéciale. Et l'ambiance angoissante dont je parlais est amenée par l'instrumentation, un peu comme le thème du combat. Des cuivres graves grinçants. Mais bien sûr, il n'est jamais joué pareil, et c'est pour ça qu'il faudra regarder la deuxième partie, ok? Bon, ok, allez, on continue. C'était assez difficile de déterminer la signification de ce leitmotiv parce qu'on pourrait croire, en regardant Dragon 2, qu'il s'agit tout simplement du thème de Stoïque, hein, le chef du village. Mais en fait, il y a beaucoup trop de passages qui ne colleraient pas à cette hypothèse. Alors, je vous annonce ma conclusion, mais je vous rappelle qu'il n'y a toujours rien d'officiel, donc si vous avez une autre explication, il faut, et je dis bien il faut, me la dire en commentaire, ok? Alors, hypothèse. Je pense que ce motif servait à l'origine à illustrer le caractère brave, fier et fort des Vikings. Par exemple, ici, lorsque Gobber va combattre, ou là, lorsque Hiccup veut prouver qu'il est un vrai viking. Et ici, dans l'arène, lors de l'entraînement contre les dragons, sans Stoïque. Mais dans le second film, bah, c'est vrai qu'il semble se rattacher de plus en plus au personnage de Stoïque. Ça peut être un choix du compositeur ou du réalisateur. Et cette idée de bravoure viking est clairement associée au personnage de Stoïque. Donc faire évoluer ce thème dans ce sens-là n'est pas illogique du tout, quoi. Non, mais sans blague, il me semble que j'ai raison. En ce qui concerne la partition, il est également assez martial et la mélodie peut rappeler le début de celle du thème du combat. Ok, alors là, on arrive sur un de mes thèmes préférés et on l'entend vraiment trop rarement. C'est un thème qui est un peu dur à définir, mais il est surtout entendu dans le morceau See You Tomorrow, qui est au passage un des meilleurs morceaux de la BO, sérieux, écoute, c'est monstrueux, et qui est utilisé dans la scène où Hiccup apprend à apprivoiser Toothless et commence à comprendre les autres dragons. Il découvre comment les maîtriser, il commence à comprendre leur fonctionnement, et commence à concevoir qu'ils ne sont pas les créatures maléfiques qu'on croit. Il est également présent dans le morceau New Tale où Hiccup fabrique une nouvelle queue, lol bilingue, pour Toothless. Ce thème est vraiment brillant et dans le morceau See You Tomorrow, il est vraiment joué de façon grandiose. On a parfois un enchaînement du degré 1 puis 6. Rien que là, on peut pas faire plus cliché. Et après, on retrouve l'accord du 4e degré, mais rendu majeur, on l'a évoqué plus haut, et en fait, il revient très souvent dans Partoche. Étant majeur, il est plus éclatant et transmet une certaine idée de grandeur. A noter qu'on a un motif qui est un peu associé à ce thème, on l'entend aussi plusieurs fois dans le même morceau. Alors là encore, sa signification n'est pas claire, mais comme pour Vikings, il peut servir à illustrer certains passages si l'ambiance musicale qu'il dégage colle à la scène. Il fait très celtique et dansant. On le trouve ici aussi par exemple. Voici un long motif associé à l'autre facette des dragons. En fait, la facette que les Vikings ne voient pas jusqu'à la fin du premier film, à part Hiccup. Au début, on les perçoit comme une menace, mais grâce à Hiccup, qui voit en eux une nature pacifique, on comprend que ces dragons ne sont pas fondamentalement mauvais. Ce motif est donc associé à cette idée. Dans le premier volet, on l'entend lorsque les Vikings prennent le dessus en combat contre les dragons. Dans le second volet, du coup, il met en lumière les dragons qui ont été apprivoisés lorsqu'ils partent à l'assaut, par exemple.
Là, on a encore un thème long. Du coup, parfois, on va juste entendre le début, parfois juste la fin. C'est un moyen de l'introduire très discrètement dans une scène. Ce qui enrichit, à mon sens, une BO. Ici, le début du motif. Ici, la fin. Ah, un thème de personnage. Astrid, c'est une jeune viking badass qui veut aussi faire ses preuves comme Hiccup. Il est d'ailleurs amoureux d'elle. Et bah, elle a son propre thème, donc voilà, c'est ça. L'avantage avec ce motif, c'est qu'il peut être joué de façon douce pour la fameuse scène du vol à dos de dragon où la romance entre Hiccup et elle commence. C'est un peu la scène du rêve bleu 2.0. Mais il peut aussi être joué avec une orchestration qui pète bien comme il faut dans les moments d'action. Astrid, c'est une guerrière et elle y va. C'est typiquement ce genre de choses que j'évoque dans la vidéo sur les thèmes musicaux. L'accompagnement permet vraiment de donner plein d'ambiances différentes à partir d'un même thème. Autopub again. Et alors coup de gueule, dans cette scène, on entend le thème d'Astrid. Pourquoi ? J'en sais rien. C'est un truc qui m'a un peu énervé. Ici, Ruffnut tombe sous le charme de ses deux camarades. Donc, on pourrait penser que ce thème est plutôt un love theme général qui s'applique à toutes les relations amoureuses, mais non, parce que toutes les autres occurrences de ce thème sont clairement associées à Astrid, et non pas en tant que thème de romance entre elle et Hiccup, mais en tant que thème de personnage, elle-même. En plus, les parents de Hiccup ont un love theme à eux, et Valka, sa mère, a son propre thème aussi. Astrid n'est pas là que pour servir de romance à l'histoire, quoi. Voilà. Bon, phase féministe terminée. Alors là, on a un thème présent quand les jeunes vikings, qui deviendront les dragonniers de Burk, une fois que les dragons seront apprivoisés, sont à l'écran et surtout au combat. Très dynamique, joué souvent au cuivre, sur un mode majeur, il est clairement héroïque et même un peu insouciant. On remarque également certains grands écarts d'intervalle dans la mélodie. Ça la rend très aérienne, ce qui rappelle le vol des dragons. Mais le truc, c'est qu'on a un autre motif qui n'a rien à voir, mais qui exprime pourtant, à mon sens, la même chose. En mineur, chanté par des chœurs d'hommes souvent, il est beaucoup plus mature. On l'entend souvent après le thème des dragonniers, comme dans Battling the Green Death. Là encore, vous remarquerez qu'on a affaire à une longue mélodie qui ne se répète pas. La montée de fin est particulièrement prenante, je trouve. Et à partir d'ici, on entre dans la présentation des thèmes qui sont introduits dans le second volet. Et alors, ça veut pas dire que les thèmes qu'on vient de citer ne sont que dans le premier film, parce que non, ils apparaissent aussi dans la suite. Tout d'abord, le thème de l'exploration. Hiccup est prédestiné à devenir le chef du village de Burk. Mais lui, il est pas trop chaud, il préfère explorer le plus possible le monde à d'autres dragons. Ce thème accompagne les scènes où il est question d'exploration, de découverte au début du film, mais aussi par exemple quand il montre sa carte à sa mère. Ce motif est écrit dans un mode mineur et il est teinté d'une certaine douceur, ce qui reflète à la fois l'enthousiasme de Hiccup à découvrir d'autres terres, mais aussi son regret de ne pas vraiment pouvoir le faire à fond à cause de ses responsabilités. Et donc, comme on vient de le dire, Hiccup doit devenir le chef. Spoiler, il le devient en fin de film. Plus gros spoiler, c'est normal, Stoïc est mort. Énormissime spoiler, c'est Toothless qui l'a tué. Et ben on entend trois fois un thème qui évoque cette idée. Je vous montre ces trois extraits. Ici, on évoque simplement le fait qu'ils doivent devenir chef. Since no chief could ask for a better successor, I've decided... To make you chief! Oh my god! Ici, il est joué d'une façon plus assumée, avec une trompette puissante, car il devient effectivement chef. Vers le début du film, on peut discerner cette mélodie au moment où Hiccup se laisse capturer pour pouvoir rencontrer Drago. C'est une décision de chef, et je trouve ça vraiment intéressant d'avoir mis ce thème ici. Et puis encore une fois, musicalement, il marche bien dans cette scène.
Le thème de la mère de Hiccup, Valka, est entendu assez rarement, mais on peut par exemple souligner la scène où Hiccup découvre le sanctuaire des dragons, où Valka a vécu pendant 20 ans. Attends, mais c'est tout ce que t'as à dire sur le thème de Valka ? Bah oui, mais on est déjà sur la 9ème page du script là, c'est chaud. Reprenons. Voici un autre love theme. Cette fois, il est rattaché à l'amour entre les parents de Hiccup, Valka et Stoic. Il est peu entendu et n'apparaît qu'à partir de la moitié du deuxième film. Voilà, cette chanson, c'est ce thème. C'est une chanson qui unit les deux personnages. C'est un peu leur chanson de couple. Mais c'est pas le seul moment où on entend cette mélodie. Ici, on peut clairement l'identifier lorsque Stoic arrive pour défendre Valka. Écoutez la mélodie. Ça assez cool d'obtenir un thème à partir d'une chanson. Et les deux tiennent la route, hein, en tant que chanson et en tant que musique instrumentale. Ah oui, et au passage, les gens qui appellent chansons des œuvres musicales qui sont entièrement instrumentales, vous avez vite changé d'attitude s'il vous plaît. Il fallait bien un vrai thème de méchant pour le deuxième opus de Dragon, puisqu'on y découvre un personnage, Drago, moyen le nom j'avoue, qui cherche à se créer une armée de dragons en les soumettant à sa domination. Alors, le gars pas cool. Alors ça déjà c'est intéressant parce que quand on voit le gars, on aurait plutôt imaginé un gros thème bien bourrin. Mais en fait la force de Drago vient de son charisme qui lui permet d'imposer sa volonté aux dragons. C'est comme ça qu'il peut les soumettre et constituer son armée. Ce qui rend ce thème sournois, c'est les notes qui sont utilisées. Le deuxième accord, par exemple, devrait sonner comme ça si on n'utilisait que les notes de la gamme. Il devrait être diminué. Pourtant, on a un accord majeur. On a deux notes qui sont étrangères à notre gamme. C'est assez surprenant. La mélodie donne l'impression d'entendre une voix mielleuse et vicieuse. Très en accord avec les caractéristiques du personnage. En plus, il est présenté comme arrivant d'une terre lointaine, donc placer des accents exotiques dans sa musique est plutôt bienvenu. On a un autre thème qui est assez proche de ce personnage. C'est un motif qui est associé à l'armée de dragons de Drago et le contrôle qu'il a sur eux. C'est un rythme répété, très énergique, très menaçant et dissonant. Les alphas sont les individus qui correspondent aux chefs dans les groupes ou familles d'animaux. Dans Dragon, on parle d'un énorme monstre, mais gentil, qui fédère un immense groupe de dragons libres. Il y a plusieurs éléments qui permettent de donner à ce motif une couleur très majestueuse et qui inspire le respect et la bienveillance. Premièrement, le tempo est souvent lent, un ton imposant est donné. Ensuite, le thème est dans une tonalité majeure, mais il n'utilise jamais la sensible. La sensible ? Quoi ? Petite notion de théorie. En musique tonale, la dernière note de la gamme, qui précède la tonique donc, est appelée la sensible. Elle est située un demi-ton sous la tonique. Par exemple, la tonalité de Do mineur se termine par le Si, qui est très proche du Do. Si on entend ce Si, surtout au sein d'un accord, l'oreille s'attend toujours à revenir sur la tonique, Do. Il y a une attirance très forte entre ces deux notes, à cause de ce demi-ton, un très petit intervalle. Et en majeur aussi, dans la tonalité de Sol majeur, la sensible c'est le Fa dièse. Entre cette note et le Sol, on n'a qu'un demi-ton. Si on entend cet accord, qui contient le Fa dièse, l'oreille sera ensuite satisfaite fait d'entendre l'accord de tonique construite sur le sol. Mais dans ce thème, on n'a pas la sensible. À la place de ce fa dièse, on a un fa bécard qui lui est séparé de la tonique par un ton entier, un intervalle plus grand. On n'a plus trop cette tension amenée par cette attirance au demi-ton. Rien ne vaut une écoute comparative. Rien à voir. Le thème sans sensible sonne plus grandiose. Et puis, au niveau de l'orchestration, on constate que les chœurs sont mis en avant. Ça augmente encore l'effet produit, évidemment, hein. Rien de plus imposant. Ce thème n'est pas seulement associé à l'alpha des dragons du sanctuaire, mais à tous les alphas du film. Drago, par exemple, possède également un alpha de la même espèce. Sauf que lui, il est noir. Et donc ça veut dire méchant. Forcément. On entend également ce thème lorsque Toothless devient à son tour l'alpha de tous les dragons après la mort du premier. Et cette scène a vraiment la classe.
ce thème, à première vue, c'est le plus mystérieux de tous, parce qu'on a vraiment du mal à identifier son rôle en fait. On l'entend à plusieurs moments qui semblent n'avoir aucun lien, et mettant en scène des personnages différents. On l'entend lorsque Valka est enlevée par un dragon dans ce flashback. Lorsque Toothless tue Stoic sous les ordres de Drago. Ou quand Toothless a réussi à combattre le contrôle de l'Alpha et est redevenu lui-même. Ça paraît compliqué, et pourtant, on peut trouver un lien entre ces scènes. Ce motif illustre en fait les relations entre les personnages, ou plutôt les scènes où des personnages se perdent ou se retrouvent les uns les autres. Vu que Hiccup est le personnage principal de la saga, on entend très souvent ce thème lorsqu'il est à l'écran. Pourtant, c'est pas toujours le cas. Dans cette scène, Stoic et Valka se retrouvent après s'être perdus dans le passé, et on entend ce thème. Et si on reprend les exemples précédents, et bah ça a également du sens. Dans cette scène, Valka est enlevée, donc elle est séparée de son fils et de son mari. Ici, Hiccup perd son père, et aussi Toothless, puisque le dragon est sous l'emprise de l'Alpha. Et là, c'est le moment où il retrouve sa complicité avec Hiccup. Et là, on peut pas dire que c'est uniquement une interprétation personnelle, parce que notre cher John John le dit lui-même dans une interview. I specifically wrote a tune that I called Lost and Found. I needed a tune that was gonna hit every moment within the film where somebody lost somebody, somebody found somebody. Stylé. Là encore, on a affaire à un thème génial parce qu'il s'adapte tellement bien à chaque type de scène. Je vous laisse écouter la BO avec attention pour essayer de l'identifier à chaque fois qu'il apparaît et de savourer toutes ces différentes versions. Alors avant d'évoquer le tout dernier thème, j'aimerais juste présenter un petit thème qu'on n'entend que deux fois dans le deuxième film. Cette mélodie fait référence au jeu avec les moutons. Au début du film... et à la toute fin. Ça fait même office de setup payoff visuel et musical puisque la première scène prépare la deuxième. Voilà, c'est plutôt mignon mais discret. Allez, la suite. Ah oui, le dernier thème. Alors oui, je parle du meilleur leitmotiv en dernier parce que je suis une putaclic. Non, attends, ça a rien. Ah non, mais non, ça a rien à voir. Ce thème, je pleure à chaque fois, regarde. Hiccup et Toothless symbolisent la relation très soudée entre ces deux personnages. Une amitié forte et une confiance absolue de l'un pour l'autre. Ce thème est également construit comme tous les autres, on n'a pas d'unité rythmique répétée. La deuxième moitié est mélodiquement complètement différente de la première, et elle se finit sur l'accord du quatrième degré majorisé, comme dans le thème Understanding. Un accord qui revient très souvent dans les musiques de films, parce que, encore une fois, il apporte une couleur lumineuse qui colle à de très nombreuses situations. La première fois qu'il est joué de façon complète, c'est dans la fameuse scène de l'essai de vol. C'est ce moment qui va souder définitivement leur confiance, puisqu'ils doivent compter l'un sur l'autre pour voler en sécurité. Et bah oui, Toothless a perdu un aileron de queue. Du coup, Hiccup a dû lui construire un mécanisme, mais il doit l'actionner lui-même, sinon Toothless ne peut quand même pas voler. Alors évidemment, il est joué de façon brillante dans les scènes d'action impliquant ces deux personnages par exemple. Enfin voilà quoi, ce thème est vraiment accrocheur, la suite d'accords est vraiment très classe et j'adore cette façon dont la mélodie passe d'un instrument à l'autre comme ici. Et voilà, on a fait le tour. Alors vous pouvez le constater, on a un énorme choix de thèmes qui sont certes associés à des idées précises, mais que le compositeur peut utiliser à sa guise dans telle ou telle situation, selon l'ambiance que dégage ce thème. Le thème Viking est un bon exemple, ou alors le thème du combat, ou de la bravoure slash stoïque. Pourquoi ne pas utiliser le thème d'Astrid quand elle attaque le dragon? Et bah parce qu'il semblerait que musicalement, l'effet produit par le thème Viking fonctionne mieux. Voilà, alors j'ai bien conscience que cette première partie faisait un peu catalogue, mais elle était nécessaire pour apprécier ce qu'on verra dans la seconde partie, puisqu'il était indispensable de présenter tous ces leitmotivs, évidemment. Donc dans la deuxième partie, on va voir toutes les relations musicales entre ces thèmes, et surtout comment John John s'est amusé à les faire varier pour les adapter à chaque situation des films. Alors j'espère vous retrouver tous pour la partie 2 de cet épisode sur les musiques de Dragon, et je vous demande s'il vous plaît de partager cette vidéo pour la faire découvrir à votre entourage, parce qu'on oublie trop souvent de partager les vidéos qu'on aime. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi, et je vous fais plein de bisous.
Bon, secret de tournage, évidemment, les oignons. Et non, c'est du fake, tout est faux sur internet. Allez, bisous.